Bonjour. Cette nouvelle année s'annonçant particulièrement musclée, abordons-la avec l'esprit commando. En 1977, Robert Papin crée HEC Entrepreneur, un ovni académique dans un paysage de l'enseignement supérieur français, à l'époque pour le moins conservateur. Résultat, en 40 ans, plus de 2500 futurs entrepreneurs auront fait l'expérience de l'immersion pour apprendre, et être ensuite à l'origine de la création de plus d'un million d'emplois. Comment et pourquoi Robert Papin eut-il l'idée de créer une telle formation action? C'est cette histoire incroyable que nous raconte Raphaël Chauvency, officier des troupes de marine détaché auprès de la 3e brigade commando des Royal Marines britanniques et auteur d'un ouvrage intitulé « Former des cadres pour la guerre économique, l'itinéraire de Robert Papin, des commandos à HEC entrepreneurs » aux éditions VA. L'expérience fondatrice du créateur de cette voie unique à l'entrepreneuriat est à rechercher dans sa première vie d'officier parmi les nageurs de combat. Robert Papin va exceller dans les études, maths sup, maths spé, jusqu'au moment où une petite anecdote va changer sa vie. Il est étudiant, une pétition signe contre la guerre d'Algérie. Robert Papin, qui n'en pense pas moins, signe, dit-il, pour faire comme tout le monde. Bon, ce qui aurait pu être une petite concession à l'esprit du temps, sans grande conséquence en fait, va en avoir. Puisque suite à cela, Robert Papin va réfléchir un petit peu sur le conflit, sera attiré à la fois par l'aventure, parce qu'à 20 ans on est attiré par l'aventure, et à la fois par ce que pourrait lui apporter une expérience de guerre. Robert Papin se dit que la seule école du commandement véritable est l'école militaire et l'école de la guerre. Et donc cet esprit d'aventure lié à cette aspiration à l'école du commandement le conduit à résilier son sursis, abandonner sa deuxième année de maths spé, et demanda à s'engager parmi les troupes d'élite de l'époque, les parachutistes coloniaux. Il va très vite faire les EOR, officier de réserve, il arrive à intégrer le fameux 11e choc, les commandos de choc, commandos parachutistes de choc, où il est chef de section. Peu après un incident de tir le rend à moitié sourd, il manque d'être réformé, et là, rencontre avec le capitaine commandant les plongeurs de combat, donc la crème de la crème, l'élite de nos forces, si on veut, qui le contacte en raison des études qu'il a pu faire auparavant, en lui demandant de créer un engin sous-marin à destination des plongeurs de combat. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a fait des études de maths sup et maths spé. Ce sont ses seules compétences dans le domaine. Robert Papin accepte, de toute façon avait-il vraiment le choix, et se trouve embarqué pour la Corse. Cette expérience va être fondamentale pour lui. Normalement, évidemment, cette unité était réservée aux soldats de carrière. Donc, alors qu'il se voyait déjà réformé, il arrive à l'intégrer. Il se retrouve dans un environnement particulier de soldats d'élite, très soudés, extrêmement compétents et autonomes. Il va commettre des erreurs, et en fait acquérir là les véritables fondements de ce qui lui permettra ensuite de transmettre une vision du commandement et du management particulière. La mission de Robert Papin est de concevoir et fabriquer un engin capable d'emporter deux nageurs de combat ainsi que des charges explosives, un engin qui doit être indétectable et plus performant que ses équivalents israéliens et américains. Robert Papin regrette déjà d'avoir un peu embelli sa compétence en hydrodynamique. Mais qu'à cela ne tienne, il se plonge dans sa tâche avec rigueur et passion. Les mois passent et le doute s'installe à son encontre dans la petite unité. Un adjudant-chef fait la remarque au lieutenant Papin que si c'est l'ingénieur qui va se planter, ce sont ses hommes qui vont trinquer. Et très rapidement, le ton monte. Papin menace le sous-officier de 8 jours d'arrêt. Ce dernier lui répond alors qu'il va lui foutre la main sur la gueule. Alors le lieutenant Papin se plaint à son capitaine qui lui répond qu'il n'a qu'à se démerder. Voilà bien sa première grande leçon de management. Robert Papin retrouve le sous-officier qui l'attend dans son bureau. Celui-ci lui donne une tape sur l'épaule et l'invite à discuter entre soldats autour d'un pot lui permettant de sauver la face. Le lieutenant Papin comprend alors qu'il ne parviendra à rien sans l'adhésion des nageurs. Tous attendent beaucoup de l'appareil, il fait fausse route en s'isolant. Non seulement il n'a pas pu bénéficier de leurs conseils, mais il les a aussi dépossédés symboliquement de ce projet. Robert Papin a donc compris ce jour-là que s'il voulait être suivi, il devait susciter l'adhésion autour d'un projet partagé et que les compétences techniques ne sont rien sans les qualités humaines de commandement. Disons que si on examine les raisons de leur succès, eh bien, on trouve une qualité commune chez ces grands patrons. C'est d'abord, ils savent où aller, et lorsqu'ils embauchent des collaborateurs, ils savent les motiver, parce que sachant où ils veulent aller, ils verront chez leurs collaborateurs
d'abord les qualités susceptibles de favoriser leur projet. Alors que beaucoup de dirigeants échouent parce qu'ils se laissent guider par les événements. Ils ne savent pas exactement ce qui les rendrait heureux dans la vie. Et ils ont tendance à voir chez leurs collaborateurs les défauts au lieu de voir les qualités. Et ça fait la différence entre un grand patron et quelqu'un qui va échouer.